La création du cinéma, en fait, ça date du 21 janvier 1926. Donc c'est Laurence Mirga et Armand Tallier, qui étaient un couple, c'était deux comédiens, et qui ont, peut-être légèrement prétentieux, mais ils ont voulu faire un cinéma d'élite, dans le sens où vous aviez toute une partie des dites élites intellectuelles qui traînaient beaucoup au niveau de Montparnasse. On n'est pas très loin de Montparnasse ici. Donc ils ont arrêté. C'était déjà avant des cafés-théâtres, cinéma, mais qui ont changé de nom plusieurs fois et tout. Et là, on a vraiment fixé le nom Studio des Ursulines, donc au 21 janvier 26. Et c'était un cinéma où, dès le début, il était très clairement affiché qu'on allait montrer un cinéma qui n'était pas le même que le cinéma qui était montré ailleurs, qui était un cinéma donc de... C'était le QG des surréalistes, par exemple. Le logo à l'extérieur du cinéma a été dessiné par Fernand Léger. Vous avez eu ici les présentations des Buñuel. Ça a ouvert sur la rue Saint-Joie de Pabst, le soir de l'ouverture. Ici, il y avait des Snows, il y avait tout ça. Tout le monde traînait ici. Truffaut a tourné ici, dans Jules et Jim. Toute la scène du cinéma, et on peut pas rater, il y a le hall, il y a la salle, c'est tourné aux Ursulines. Léo, tout est marqué dessus, 1,37, vous voyez le format du film, c'est plutôt le format old school, quoi, carré. Le classement RFA, et à l'intérieur, vous avez le jeune public, recherche et découverte, et patrimoine. Nous, on est orienté sur le jeune public. Tout est en place pour commencer. Il est 8h05, le film était prévu à 8h, je suis pile dans les temps. Comme d'habitude, et voilà, et pas mécontent. On a ouvert ou pas? Tu as eu le petit lion? Ouais. Pour moi, un enfant, c'est pas un gibbon, quoi, c'est pas un singe, donc je vois pas la différence entre une personne cultivée et un enfant. Un enfant a droit à la culture. On monte des films aux enfants, on monte des films art et essai, pointus, et pas des films pour enfants. À partir du moment où on fait un film pour enfants en général, c'est-à-dire qu'on n'y connaît rien et qu'on se dit que les gamins peuvent voir tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. Un enfant, c'est un vrai public. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'ai appelé chez Mme Balzac. Public fidèle du Balzac, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous rappelle bien que la carte bancaire est acceptée à partir de 14 euros. Le tarif réduit est de 7 euros réservé aux étudiants. Moins de 18 ans, plus de 60 ans, familles nombreuses, pérennité chômeurs. Tarif normal, 9 euros. Ce cinéma a été créé par mon grand-père en 1935. Donc entre 35 et 40, mon grand-père a passé sur tous les films américains. On a eu toute la série des Shirley Temple. Et ensuite, on a eu Frank Borza, John Ford, tous les grands réalisateurs américains sont passés ici. Pendant la guerre, c'est une belle société française qui avait pris le Balzac. Et il s'appelait Dupont du Bon du Bonnet et ne voulait plus le rendre à la fin de la guerre. Donc, devant le Conseil d'État, mon père l'a récupéré. Après la guerre, pendant 23 ans, de 1947 à 1970, le Balzac, qui était allié à trois autres salles, qui s'appelaient Elder, Scala, Vivienne, et c'était la combinaison qui était connue à l'époque comme les quatre salles, Balzac, Elder, Scala, Vivienne, ces salles ont eu la quintessence de l'histoire du cinéma français avec... Jour de fête, vous me direz s'il y a des titres qui vous semblent étrangers. Mmh. Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot, La Ronde, Casque d'or, Gervaise, Manège, À bout de souffle, Les tontons flingueurs, La guerre des boutons, jusqu'à la piscine. Et en 71, il y a eu le rachat de certaines salles du GC à l'époque par des indépendants. Et donc, mon père... qui était malade et âgé, n'a pas vu de danger. Et moi, quand je suis arrivé en 73, j'avais une salle ici et plus de films. Voilà. Et donc, il a fallu... Et repartir au combat pour d'abord utiliser les annexes, c'est-à-dire le hall, les bureaux de mon grand-père, pour faire deux salles supplémentaires, et ensuite donner de l'image... à une idée de programmation à RSA que j'avais depuis le début. Au milieu des années 70, il y avait 65 écrans aux Champs-Élysées. 65. Maintenant, pour vous donner une idée, il n'y en a plus que 32. On a perdu 33 écrans.
Et moi, je devais donc remonter la salle face à autant de salles en face. Et il fallait pour cela, un, que je change la programmation pour ne pas être en conflit direct avec les circuits, parce que sinon, boum. Et deux, redonner de l'image pour que les spectateurs aient envie de venir ici. Et à partir de là, c'était donner de l'image à ma salle. Et donner de l'image à ma salle, je me suis dit, il faut un animateur. Mais je n'avais pas les moyens de prendre un animateur. Alors le seul type que je pouvais prendre sans payer, c'est moi. Donc je me suis mis devant et j'ai commencé à présenter les films à partir de 1987. Tout est parti. On repart donc pour le film. Dernier vœu avant de partir, vous le connaissez. Si vous voyez que le même film passe dans plusieurs salles, où allez-vous ? Ici. J'espère bien que vous venez ici. Parce qu'ici, on prêche pour l'exception culturelle avec un supplément d'âme. Et parce qu'il y a un enjeu derrière. L'enjeu, c'est qu'il y ait toujours aux Champs-Élysées une salle indépendante qui défend des auteurs. Et comme vous en doutez, ce n'est pas gagné, parce qu'il y a une convoitise sur nos grands lieux par des métiers et des commerces beaucoup plus argentés. Mais nous tiendrons. Vous savez pourquoi ? Pour votre plaisir. J'ai commencé par... Ça a pris du temps, tout ça. En 93, j'ai demandé, parce que j'ai refait les travaux de bar, etc., c'est de 93, j'ai demandé à ma femme de faire des gâteaux. Ça a été connu tout de suite, les gâteaux maison du Balzac, ça a été un grand moment. J'ai fait cette scène-là aussi en 93, donc j'ai commencé à prendre des musiciens. Et au début, comme je ne pouvais pas les payer, j'allais les chercher dans le métro. Je prenais, et petit à petit, ça s'est su aussi. Et j'ai trouvé après ça un accord avec le Conservatoire National Supérieur de Musique, qui tous les samedis continue, ça fait plus de 10 ans de ça, continue à m'envoyer des premiers prix du conservatoire qui font 20 minutes avant la projection du samedi soir dans la grande salle. Et puis se sont enchaînés tous les à côté, c'est-à-dire, bon, une fois que je fais de la musique, je peux faire des ciné-concerts, je peux faire toutes sortes de choses, des branches de court-métrage, etc. Donc on a enchaîné plein d'activités autour du rapport avec le public, avec la musique et avec la gastronomie. Je me bats pour faire plein de choses à côté. Alors si parmi vos étudiants, vous avez les parents de vos étudiants qui ont des entreprises qui veulent faire du Soleil au Balzac, ça c'est pour boucler mes fins de mois et ça m'est très utile.